Donc cela n'a pas besoin, a besoin incontestablement, c'est une évidence, de manifestations d'ordre sexuel, procréative, mais n'a pas besoin d'amour, et même le mariage, dit-il explicitement, à plusieurs reprises, pendant au moins une 5 ou 6 pages, l'amour, c'est ça, et l'amour est qu'on se tienne par ailleurs que par lui, c'est-à-dire que l'on se lie, qu'on se lie par des liens qui concernent essentiellement la procréation, qui concernent l'alliance. Mais on se marie, dit-il, pour sa postérité, pour sa famille, tandis que dans l'amour, c'est quelque chose de tout à fait autre. Ce n'est pas, c'est une déification à la fois du partenaire ou de la partenaire, c'est une déification même de certaines parties du corps que l'on considère comme divines, comme les parties sexuelles dans l'Antiquité ou dans certaines parties du monde. Ça n'a rien à voir avec le contrat du mariage. Donc, c'est un dispositif qui est en train qui perdure à cette époque-là du XVIe siècle, et qui est en train certainement de disparaître ou de s'effacer au bénéfice d'un autre, mais qui reste très important et qui fait qu'il y a dans la pensée de Montaigne, sinon, puisqu'il était marié, avait des enfants, ce n'est pas un discrédit du mariage, mais c'est une sorte de dépréciation du mariage par rapport à l'amour, ou de déplacement, si vous voulez, de l'amour en dehors du mariage. Donc, s'il y a amour, c'est extra-conjugal. Cela restera d'ailleurs dans la tradition, sinon dans les mœurs, tout au moins dans la tradition romanesque, un peu plus tard, moins d'un siècle après, par exemple, la princesse de Clèves exposera, et le mouvement de la préciosité en France exposera également ces aventures d'un amour extra matrimonial. Le mariage n'est pas fait pour l'amour, ce n'est pas là que l'amour peut s'accomplir et se rencontrer, contrairement à ce qui va devenir au contraire de la norme, et qui même à l'heure actuelle, avec l'idée d'un mariage homosexuel par exemple, fait apparaître le mariage comme une sanction, en quelque sorte, de l'amour, ce qui est tout à fait contraire à ce dispositif qui était celui du XVIe siècle. Il y a cela qui est extrêmement important, en même temps, ce transfert, si l'on peut dire, de valorisation de l'amour hors mariage au corps dans toute sa matérialité, et en particulier aux membres virils, puisque c'est l'objet même du chapitre, aux membres virils, dont il explique pourquoi, dans un certain nombre de civilisations, il a apparu comme étant une partie du corps et une qualité spécifique quasiment indépendante de l'individu et qui méritait une véritable déification. Il y a des passages très intéressants et très comiques que je voudrais quand même citer, par exemple, à propos de l'exagération que cette déification du membre viril a conduit dans l'imagination. Il faudrait que je retrouve exactement le passage. Ah oui, c'est ça. Par exemple, celui-ci aussi, qui nous montre aussi un changement de perspective et un changement à la fois de dispositif et de régime de la sexualité entre le XVIe
tel qu'il le décrit, et notre époque. En parlant, c'est dans un passage où il parle justement de ce qu'il doit y avoir dans le mariage, tout en étant lié à la sexualité, n'est lié qu'à sa partie la plus restreinte, la plus raisonnable, donc qui est tout à fait exempte de ses fantaisies, ce qu'il appelle la fantaisie, qui est au contraire le propre, la chaleur et la fantaisie, qui est le propre du développement de la logique, de l'érotique en elle-même. Or, ce devait aviser aussi mon législateur, le législateur, le, je dis mon législateur, enfin, la, disons le législateur, car l'aventure est-ce un plus chaste et fructueux usage. C'est ça, alors il disait, je rétablis le raisonnement, c'est-à-dire que l'imagination, dit-il, s'enflamme et exagère même les parties invisibles, de sorte que il plaide là un petit peu sur le fait qu'il devrait y avoir une meilleure connaissance de l'anatomie humaine qui pourrait peut-être limiter l'enflure, l'exagération de l'imagination. Or, je devais aviser aussi mon législateur qu'à l'aventure est-ce un plus chaste et fructueux usage de leur faire, c'est-à-dire aux femmes, puisqu'il s'agit toujours dans ces états de méconnaissance de l'anatomie humaine, il s'agit toujours des femmes qui sont tenues dans une certaine forme d'ignorance de la réalité de l'érotisme, de leur laisser deviner, de leur faire de bonheur connaître le vif, c'est-à-dire la réalité de la chose sexuelle, que de leur laisser deviner selon la liberté et chaleur de leur fantaisie. Au lieu des parties vraies, elles en substituent par désir et par espérance d'autres extravagantes au triple. Et telle de ma connaissance s'est perdue. Ah oui, c'est ça, telle, c'est-à-dire un ami, un homme qui ne répondait pas par ses parties au sens physique, matériel, corporel du terme, c'est-à-dire les parties sexuelles. Tous les mots de Montaigne ici désignent d'une façon très précise les réalités corporelles. Et telle de ma connaissance l'est perdue pour avoir fait la découverte des siennes en lieu où il n'était encore au propre de les mettre en possession de leur plus sérieux usage. Phrase un peu énigmatique, je l'explique. Ça veut dire que un de ses amis a été déconsidéré parce que de l'ampleur de ses parties sexuelles aux yeux de la femme avec laquelle il voulait avoir une relation sexuelle ne répondait pas à ce qu'elle croyait être leur grandeur. Donc, enfin, il faut mettre les points sur les i, c'est-à-dire il en avait une de trop petite alors qu'elle en attendait une d'immense. Alors là, c'est pas tellement pour cela que je disais ça, c'est parce qu'il l'éclaire par un propos qui est très intéressant sur la vie quotidienne de cette époque. Quel dommage, c'est-à-dire, et ce qui en est la cause un peu, c'est les représentations que l'on se fait. Et là, il va parler des graffitis qui représentent des membres virils absolument énormes et qui font que les femmes croient qu'il en est ainsi dans la réalité, n'ayant pas eu l'occasion d'en voir, et sont tout à fait déçues quand elles en voient une dans la réalité. Il y a beaucoup d'humour, effectivement, chez Montaigne, peut-être des observations réelles, je ne sais pas.
Mais là, c'est un trait qui est très intéressant sur ce que j'appelais la vie quotidienne, c'est-à-dire l'animation un peu des palais comme le Louvre. Versailles n'existait pas, mais enfin, en particulier le Louvre ou le château royal de Blois, de Chambord, où il y avait une quantité de pages qui étaient des enfants qui s'agitaient dans tous les sens et qui étaient réputés pour leur polissonnerie et leur grivoiserie. Quel dommage! Ne font ces énormes portraits, ces dessins de sexe dressés qui étaient dessinés par des enfants. Or, ces enfants, c'était des bains. Ce qui montre, entre parenthèses, relativement à l'idée que l'on se fait à l'heure actuelle et que l'on impose depuis au moins une trentaine d'années sur l'ignorance et la naïveté de l'enfance, une différence considérable, d'autant plus que à cette époque, la sexualité des enfants était absolument indifférente et l'on n'en traitait pas d'une façon particulière. Quel dommage ne font ces énormes portraits que les enfants, entendant les pages des seigneurs, puisque c'est dans les palais, vont semant au passage et escalier des maisons royales, de là leur vient un cruel mépris de notre portée naturelle. Donc il faut s'imaginer ces pages qui font des graffitis, des tags sur les murs, et dans l'indifférence de tout le monde, que ça amuse, dont Montaigne dit justement que les femmes croyant que c'est vrai sont en fait déçues quand elles voient les choses réelles. C'était extrêmement, extrêmement intéressant pour la connaissance un peu des mœurs de ce temps-là. Ces graffitis ont été conservés, ce qui est très curieux, depuis la Grèce antique, parce qu'il y en a, et Rome, puisqu'il y en a trouvé à Pompéi. Il est malheureux qu'on n'ait pas conservé celle qui se trouvait au Louvre ou ailleurs, parce que là on aurait les murs qui sont un peu trop propres en général, garnis de ces graffitis datant du XVIIe siècle, dessinés par des pages, ça aurait été extrêmement amusant. On a dû vraisemblablement les effacer, puisque ces demeures royales continuent à exister. Donc on supportait et l'on voyait, on était amusé de ces graffitis dessinés par des enfants. Que sait-on si Platon, ordonnant après d'autres républiques bien instituées, que les hommes et femmes, vieux, jeunes, se présentent nus à la vue des uns des autres, ces gymnastiques, n'a pas regardé à cela? Les Indiennes, les hommes accrus ont au moins refroidi le sens de la vue, et quoi que disent les femmes de ce grand royaume de Pérou, de Pérou, oui c'est de Pérou, qui au-dessous de la ceinture n'ont à se couvrir qu'un drap fendu sur le devant, et si étroit que quelques cérémonieuses décences qu'elles y cherchent à chaque pas, on les voit toutes, que c'est une invention trouver au fin d'attirer les hommes à elle et les retirer des mâles, à quoi cette nation est du tout abandonnée. Là, il y a une relation vraisemblablement à l'homosexualité d'ailleurs, puisque c'est une invention si les femmes... Il ne faut pas entendre que les femmes... donc cela n'a pas besoin, incontestablement, c'est une évidence de manifestation d'ordre sexuel, procréative, mais n'a pas besoin d'amour, et même le mariage, dit-il explicitement, à plusieurs reprises, pendant au moins une 5 ou 6 pages, l'amour, c'est ça, et l'amour est qu'on se tienne
par ailleurs que par lui, c'est-à-dire que donc ce lit consolide par des liens qui concernent essentiellement la procréation, qui concernent l'alliance. On se marie, dit-il, pour sa postérité, pour sa famille, tandis que dans l'amour, c'est quelque chose de tout à fait autre. Ce n'est pas, c'est une déification à la fois du partenaire ou de la partenaire, c'est une déification même de certaines parties du corps que l'on considère comme divines, comme les parties sexuelles dans l'Antiquité ou dans certaines parties du monde. Ça n'a rien à voir avec le contrat. Ce n'est pas un discrédit du mariage, mais c'est une sorte de dépréciation du mariage par rapport à l'amour, ou de déplacement, si vous voulez, de l'amour en dehors du mariage. Donc, s'il y a amour, c'est extra-conjugal. Cela restera d'ailleurs dans la tradition, sinon dans les mœurs, tout au moins dans la tradition romanesque, pas du mariage. Donc, c'est un dispositif qui est en train de... qui perdure à cette époque-là du XVIe siècle, et qui est en train certainement de disparaître ou de s'effacer au bénéfice d'un autre, mais qui reste très important et qui fait qu'il y a dans la pensée de Montaigne, sinon, puisqu'il était marié, avait des enfants,